Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui pour vous présenter un livre de coloriage. Alors c'est un livre de coloriage que j'ai acheté pour Chouchou, pour la fête des pères. Voilà, alors c'est un livre qui, alors que moi j'ai trouvé nouveau, mais il n'est pas si nouveau que ça, il date de 2017, mais je ne l'avais pas encore vu avant. C'est un coloriage avec des numéros. Et donc, ça s'appelle le Colortronic Animal. Oui, bon, c'est un grand livre. Voilà. Voilà l'arrière, une grenouille. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est toujours un livre... à colorier avec avec des numéros, mais ça fait, c'est pas comme le, tout à fait comme les autres là qu'on a pour les Disney tout ça. Là, les résultats de, vont donner des images multicolores. Voilà, je vais y arriver. c'est surtout pour ça que ça s'appelle Colortronic, je pense. Voilà. Alors, il marque Kaleidoscopic Coloring Challenge. Voilà. Bon, je ne peux pas vous dire ce qui est marqué sur. Alors, à moins que je le traduise très rapidement sur mon ordinateur. Traduction. Voilà. Hop. Comme ça, je vous dis tout de suite ce qu'ils disent. Alors, vous aimez le coloriage, vous aimez les animaux, Colortronic Animal combine les deux. En 64 pages de magnifiques illustrations, toutes dotées d'un système de numérotation facile à utiliser. Une fois terminée, chaque illustration présentera une palette lumineuse et brillante. Après tout, pourquoi un zèbre n'aurait-il pas des rayures en noir et blanc, que en noir et blanc? Parce que vous voudrez les afficher. Chaque page est perforée, ce qui la rend facile à déchirer pour l'encadrement. Voilà, j'arrivais à la lire. Oui, voilà. Chaque page, il y a des petits pointillés et donc vous pouvez les retirer facilement. Pour ceux qui ont l'habitude de colorier, de retirer leurs pages comme moi, Chouchou fait, il enlève les pages du livre pour colorier. Donc là, ben, il n'y a pas de difficulté. C'est très facile à retirer. Voilà. Je vais arriver à parler ce soir. Il est tard. Hein. Allez, je vous mets face bureau pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, bon, le livre est tellement grand que j'espère que ça va aller. Bon. Donc on a les... ça va faire des chiffres comme, comme d'habitude. Vous voyez, il y a des petits pointillés pour enlever les pages. Et voilà. Donc vous avez vos pastilles de couleurs sur le côté. Et voilà votre dessin. Donc, vous voyez, le fond n'est pas n'a qu'une seule couleur. Donc, le fond n'aura qu'une seule couleur. Toutes vos couleurs seront concentrées que sur le dessin. Là, ici, un lapin. Donc, vous pourrez les peindre, ou les faire au feutre, au crayon de couleur. Que vous voulez, puisque là il n'y a pas de dessin derrière, donc vous pourrez vous éclater avec ce que vous voulez. Là c'est pas une souris, ça c'est une je reviens plus sur le nom, c'est une belle petite bête, ça. Un chinchilla, oui je crois que c'est un chinchilla. Voilà, donc pareil hein. Et toujours le petit pointillé pour enlever. Voilà, petit perroquet. Donc là, c'est pas du coloriage mystère. Hein.
parce qu'on voit tout de suite ce que c'est le dessin qu'on va faire. C'est pour ça que là, je me permets de vous les montrer tous, puisque là, je vous dis, ce n'est pas du coloriage mystère. Vous voyez, le fond, vous n'aurez qu'une seule couleur à mettre. Un lynx. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus difficiles à deviner, mais là aussi on voit. Là, on voit hein, ce que c'est. Donc, il y en a qui ont des plus grandes surfaces à colorer, il y en a qui ont des plus petites. Une grenouille. Un petit hamster. Lui, il fait une vilaine tête. Hein. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne quand c'est colorié. Voilà, je ne vais pas tous les montrer coloriés, mais voilà le résultat. Vous voyez, c'est vraiment du multicolore. Donc, voilà. Alors, je n'ai vu que deux comme ça de livres, mais le deuxième ne me plaisait pas. Je ne sais plus sur quel thème c'était. Alors, c'est là, c'est quoi qu'il y avait dedans je regarde. Ouais, il y avait des paysages, il y avait des animaux, il y avait des fleurs. Il y avait des personnages, bon, il y avait un peu de tout, mais là, il me plaisait moins. Je préférais celui-là avec que des animaux. J'ai dit, il plaira beaucoup mieux à Chouchou. Bon, il a regardé bizarre, quand je lui ai offert tout à l'heure. Mais bon, il faut que... Parce qu'il n'a pas l'habitude de ce genre-là par rapport au mystère. Mais c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, je vous montrerai des résultats quand il les aura, quand il en aura commencé à en faire. Je vous montrerai des photos. Donc, voilà. Je vous montre la couverture. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver si ça vous intéresse. Donc, le Colortronic Animal. C'est un autre genre de coloriage mystère, mais voilà. Mais là, on sait déjà ce qu'on va colorier. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.